À gérer la cantine. Pour permettre que les enfants de l'école aient des bons repas, donc préparés par une cantinière. L'association du restaurant scolaire de la Beluce, telle qu'elle est actuellement, est vraiment un modèle d'association. Ils sont extrêmement solidaires, dynamiques et ils font le maximum pour que leur association vive au mieux et pour nourrir les enfants de la meilleure façon possible. Ça, j'y suis très, très sensible. L'association Labo Zéro est venue se joindre à nous pour diffuser un film. Puis nous, on a profité de ça pour apporter de l'argent à notre association du restaurant scolaire pour permettre de payer notre cantinière, la serveuse, et puis voilà, me permettre de ne pas avoir des plats tout prêts. Le film va être diffusé en plein air, dans ce parc. Et bien, ce bel endroit, c'est le parc de la mairie. Et dès le début, on a espéré qu'il s'y passerait des choses parce que c'est un endroit magnifique et qu'on a aménagé de façon à ce qu'il y ait des terrains plats et des pentes et que ce soit presque un amphithéâtre pour pouvoir organiser des spectacles, de la musique, etc. Et aujourd'hui, les parents d'élèves de l'école nous font un immense plaisir en ayant investi le parc. Quatre fois que je le vois, quatre fois que je suis aussi content. Hein. Donc que ça soit à Blanzy, à Monceau et puis ici, il y a autant de monde et ça m'impressionne un peu, mais c'est cool. Pas mal de monde, on a du mal à suivre, mais ça va.